Bienvenue à tous dans votre magazine Décryptage qui vous permet de faire le point sur les sujets d'actualité en République démocratique du Congo. Nous allons parler des sujets majeurs qui touchent d'ailleurs la marche de ce pays, les élections. Est-ce que finalement ces élections telles que prévues par la Constitution et les dispositions légales auront lieu en RDC? Est-ce que ces élections auront lieu selon le délai? Nous allons en parler avec un invité sur ce plateau, Papi Tamba. Il est communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue. Merci, Monsieur Floride. Nous allons faire le tour d'horizon sur ce sujet avec vous. Je Alors, la vous en prie. première question que j'aimerais vous poser, la tenue des élections devient véritablement aujourd'hui une démarche douteuse. Alors, ma question est de savoir, du côté de la majorité, on est bien conscient que c'est vraiment très difficile, d'où aujourd'hui, la tenue de ces consultations. Je crois que par rapport au sujet et la question telle que vous la formulez, il serait intéressant que des acteurs politiques que nous sommes parlent en tant que Congolais. Je pense que nous devons un peu enlever nos casquettes, hein, majorité-opposition, pour parler Congo. Parce que les problèmes revêtent une grande importance. Ce qui est déjà clair, c'est que les fonctions qui sont sujets au mandat ne peuvent être obtenues que par les élections. Ça, c'est la volonté du pouvoir constituant originaire. Nous devons organiser les bonnes élections, mais nous ne devons pas nous entêter à progresser dans des situations qui tourmentent un peu ou qui énervent un peu notre ordre au niveau du pays. Tenez, M. Floride, 2006, nous avons certes organisé l'élection présidentielle et l'élection législative. Malheureusement, On en sait les conséquences. on en connaît les conséquences. 2011, on avait même germé les terres des contestations à telle enseigne qu'un candidat, mais un candidat très sérieux, s'était même autoproclamé depuis un pays étranger. Et même, il y avait une menace ouverte qui était formulée contre l'ancien président de la CENI, à qui on avait dit qu'il devait pleurer dans sa langue maternelle si les candidats en question n'étaient pas élus. Donc ça montre que les choses étaient mal amorcées et nous en connaissons les conséquences. Il faudrait plus. Hein, franchement, Faut corriger. Il faut corriger. Si prendre le pouvoir en RDC devrait être fonction ou bien sujet, par exemple, Entraîner d'avoir des des morts. cadavres entraînés des morts, moi je crois que ça ne peut plus intéresser les peuples Mais congolais. corriger, mais de quelle manière? C'est ça. Corriger de la manière comme nous essayons de le voir, où les gens doivent se parler. Les gens doivent au moins exprimer pourquoi est-ce que par le passé il y a eu ces morts, comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter qu'il puisse y avoir. Je ne peux pas comprendre comment d'autres amis, d'autres Congolais, puissent avoir cette obsession. Parce qu'en même temps, nous devons savoir que par rapport à la communauté internationale, il y a double regard. Il y a une bonne volonté qui accompagne les efforts de développement de notre pays à travers plusieurs institutions, mais il y a aussi certaines influences extérieures. Même si elles sont minimes par rapport à cette bonne volonté, puisqu'on résiste jusqu'à ce jour, mais qui, par le passé, là, ce n'est pas un discours, il y a des faits qui démontrent qu'il y a des influences extérieures qui ont même énervé notre unité nationale à un certain moment. Donc nous devons, aujourd'hui, nous dire qu'en tant que Congolais, et ça, je me réjouis de la phrase que le chef de l'État avait prononcée lorsqu'il a parlé devant les ambassadeurs, que s'il y a un problème ici au pays, vous avez vos ressortissants que vous allez directement récupérer. C'est-à-dire, vous êtes déjà à Brazzaville, vous appelez vos ressortissants pour les rapatrier chez vous. Vous avez déjà vos forces qui seront peut-être postées à côté. Mais qui va rapatrier les Congolais? C'est la question fondamentale. Les Congolais sont chez eux. Il faudrait que les élections se tiennent, bien entendu, de façon transparente, de façon crédible, mais que ces élections-là ne puissent pas entraîner des morts. Pour cela, nous devons ré regarder la réalité en face. La réalité en face, M. Floride. Justement, cette réalité-là en face, c'est laquelle? Regardez. La CENI publie les calendriers électoraux globaux le 15 février. En prévoyant, 15 février 2015, en prévoyant la dernière élection au 28 novembre 2011, l'intervalle de 21 mois. Nous arrivons le 15 avril, nous devrions commencer, non pas les premiers scrutins, mais le premier acte devra conduire au deuxième scrutin. 6 jours après, là, il restait maintenant 19 mois. 6 jours après, il y a l'opposition qui monte au créneau avec leur communiqué.
pour dire qu'il faut déjà poser les problèmes à ces processus. La CENI prévoit un premier délai du 15 au 5 mai. Nous arrivons le 5 mai, la CENI qui, au lieu de recueillir tout simplement les candidatures, était encore en train de faire le travail d'identification des candidats, parce que par le passé, nous avons évité l'identification, la CENI ne pouvait plus tenir son propre calendrier. La CENI commence son propre dépassement, c'est ce que les amis aiment appeler glissement. La CENI va jusqu'au 25 mai. Nous arrivons le 25 mai, et là, tous les acteurs politiques, confondus, majorité comme opposition, ont continué à renflouer les bureaux de la CENI. Donc ça veut dire que c'est un problème qui touche tout le monde. Oui. Le 25 mai, encore, il fallait encore une autre rallonge. Nous arrivons au 31 mai. La CENI fait encore un dépassement de 5 jours. Deuxième dépassement. Nous arrivons le 31 mai, il fallait aller jusqu'au 4 juin. Troisième déplacement. Et après le 4 juin, concernant il y a eu les législatives, encore... Hein, oui. Voilà. Donc, c'est un dépassement déjà de plus d'un mois. Rien que pour les premiers actes à poser. Ça veut dire que ça pourrait être également le cas avec les autres élections qui restent. Tout naturellement, parce que les premiers scrutins seront organisés le 25 octobre. Du 25 octobre jusqu'au 28 novembre, il restera 13 mois. Donc s'il restera 13 mois, donc en temps matériel, on n'avait que 6 mois pour organiser tout. Est-ce que les gens se rendent compte que la CENI avait prévu initialement que les dépôts des candidatures pour les élections locales commencent le 27 mai? Et qu'aujourd'hui, on n'a encore rien commencé. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de cela. Parce que les Congolais, nous aimons généralement oublier un certain nombre de choses. Ça va nous rattraper. Ça nous a déjà rattrapés. Nous sommes dans cette situation-là. Ayons le courage. Enfin, vous savez, les politiquement corrects aujourd'hui doivent être bannis, peut-être être rangés de côté. Disons la vérité au peuple congolais. Reconnaissons aujourd'hui que, premièrement, la volonté d'organiser les élections, cette volonté doit être intacte. Organiser 7 scrutins dans ces délais, avec ce que nous connaissons comme problème, cela ne peut amener que les hommes politiques à trouver des aménagements pour éviter que les pouvoirs soient encore pris sur des cadavres des Congolais. D'où le dialogue. D'où le dialogue. Des dialogues qui posent de véritables problèmes. Donc si je comprends bien, le dialogue tient lieu tout simplement du fait qu'il y aura difficulté de tenir les élections dans le délai, rapport au calendrier électoral. Vous savez, les dialogues vont au-delà. Parce qu'il y a des revendications telles que l'enrôlement des jeunes mineurs. Mais il n'y a pas que l'enrôlement des jeunes mineurs. Mais le fait majeur. Les jeunes sont devenus majeurs depuis 2011. Mais à part cela, c'est l'opposition qu'il avait présenté comme problème. Un problème réel qu'il faut considérer. Mais au-delà de ça, il faut aussi savoir qu'entre 2011 et 2015, l'eau est passée sous les ponts. Il y a beaucoup de Congolais peut-être qui se sont déplacés, qui étaient électeurs en 2011. Il y a d'autres Congolais aujourd'hui peut-être qui seraient décédés malheureusement. Si nous ne révisons pas les fichiers, comment pourrons-nous parler d'une élection crédible dans ces conditions? Nous ne pourrions pas aussi, comme les amis de l'opposition proposent, que nous puissions tout simplement effacer une série d'élections au profit d'autres élections. Là, dans ces cas de figure, nous faisons une politique de fixation. C'est également une demande rationnelle, non? Non, très irrationnelle et injuste. Très irrationnelle, injuste, parce que il faut commencer par regarder quelle est la forme d'État, la forme qui consacre notre Constitution. Mais c'est Floride aller aux États-Unis d'Amérique, demander à un Américain, par exemple qui est à Floride, de dire que vous allez sacrifier l'élection de son gouverneur de Floride. Non, c'est dans la hiérarchisation des besoins. Dans la hiérarchisation des besoins. On prend le besoin le plus prioritaire, tout simplement. Mais vous savez, Floride, que veut dire calendrier global? Gardez une certaine cohérence dans nos idées. Lorsque vous vous battez pour un calendrier global, on espère ou on s'y pose que vous avez eu des laboratoires pour bien réfléchir par rapport au délai, par rapport à tout. On vous sert le calendrier global, vous revenez pour demander un calendrier partiel. Ça pose des problèmes. Je pense que la dernière revendication du calendrier global de l'opposition remonte au mois de janvier 2015. La dernière revendication. Un mois après, ils ont eu le calendrier global. Ils ne pourraient pas, 3 mois après, revenir encore pour dire que non, nous n'avons pas mesuré tous les paramètres, nous redemandons un calendrier partiel pour d'abord boucler ces boucles 2016 et voir les autres élections après. Après. On perd des crédibilités en tant que politicien. Quand vous voulez trouver des solutions, trouvez toutes les solutions. Ne trouvez pas une partie des solutions. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas concevable intellectuellement parlant, moralement parlant et même, je vais dire, patriotiquement parlant, de passer à une troisième élection législative, une troisième élection législative nationale, une troisième élection présidentielle sans organiser une seule élection locale. Ça va s'appeler déni de notre décentralisation, ça va s'appeler déni de notre propre démocratie.
Les gens à la base ont aussi, et je pense que c'est même ça l'esprit du pouvoir constituant originaire, c'est que les gens à la base puissent voter et élire leurs propres représentants. Et ce n'est pas concevable non plus au moment où nous avons un dépassement de mandat depuis des 3 ans, des sénateurs, des gouverneurs des provinces et des assemblées provinciales, que nous puissions réfléchir en mettant cet aspect-là de côté pour nous focaliser que si une institution, même pas si l'institution législative qui est présidente de la République, là directement, nous serons en droit de penser qu'il y a une politique de fixation basée sur la haine. Mais voilà, Monsieur Papitamba, mais en regardant également aujourd'hui la communauté internationale par rapport à son financement, la communauté internationale veut aussi financer que ces élections-là, les législatives et les présidentielles, la communauté internationale épouse pratiquement la position de l'opposition. Hein. Vous savez, laissez-moi prendre un cas, et là, peut-être ça peut interpeller... Ce sont des gens intelligents, ils savent que ce sont les élections les plus prioritaires. Non, mais vous savez, il n'y a pas d'élection plus prioritaire. Ce mot, c'est un péché contre la démocratie. Nous ne devons pas dire ça. Je dois seulement vous dire, la même communauté internationale a jeté pratiquement la poudre au feu. Ils ont mis l'huile au feu au Burundi. Vous savez, le contexte électoral au Burundi, même si le contexte n'est pas pareil par rapport à nous, mais la tension était palpable. Tout le monde savait que les jours que le président Nkurunziza va se prononcer, il risquerait de se déclencher au Burundi un certain nombre de choses. Mais la vérité, M. Floride, c'est que la communauté internationale qui avait jeté la poudre au feu, qui avait jeté l'huile au feu, cette même communauté internationale aujourd'hui, après que les faits aient brûlé à la maison, les envoie encore vers le dialogue. Donc, moi, je crois que si nous pourrions prendre de l'avance par rapport à la communauté internationale, dialoguer avant, parce que nous devons nous dire stop au pouvoir sur les cadavres des Congolais. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être la majorité pour le dire. Nous ne sommes pas en train de réfléchir dans l'hypothèse de créer un système de réélection indéfinie comme c'était le cas par le passé. Nous sommes en train de créer une situation où nous ne voulons plus de 2006, plus de 2011, mais cette fois-ci des élections qui puissent avoir un autre registre, que les Congolais, l'homme congolais, soit mis en avant. Mais si je vous comprends, ça veut dire que organiser des bonnes élections aujourd'hui en République démocratique du Congo suppose la tenue d'un dialogue. Mais je suis en train de vous dire que lorsque nous avons des problèmes, pourquoi la CENI publie un calendrier, la CENI commence elle-même par dépasser son propre calendrier. Pendant que la CENI dépasse son propre calendrier par rapport aux actes déposés, il y a des menaces qui viennent de l'autre côté, où des gens laissent les autres scrutins, mais ne menacent qu'en regardant un seul scrutin. Donc par rapport à cela, nous devons nous dire tout à fait intellectuellement et honnêtement que nous sommes dans un schéma où le dépassement est envisageable pratiquement dans tous les secteurs. Ah, ok. Alors, par rapport à ça, si aujourd'hui on n'organise pas les choses de façon formelle, dans un cadre où les Congolais peuvent se dire des choses, pour savoir comment est-ce que nous pouvons résoudre des problèmes. Mais qu'est-ce qui nous attend dans l'avenir? Très bien. Alors, la vérité à dire aux Congolais aujourd'hui, les Congolais, des millions de Congolais qui vous suivent, c'est de dire qu'il est impossible d'organiser les élections prévues par la Constitution et les autres dispositions légales dans le délai. C'est ça la vérité. Non, mais non. La Constitution consacre les élections. Oui. Il n'est pas impossible de les organiser. La vérité est que les calendriers de la CENI, aujourd'hui, par rapport aux revendications et par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, nous amènent vers un chemin où nos esprits, l'idée doit faire son chemin dans nos pensées. Nous devons nous dire que nous devons dialoguer parce que les problèmes devant nous sont très sérieux. Alors, ce dépassement-là aujourd'hui de la CENI tient lieu de quelle raison? Pourquoi t'on dépassé? La faute à qui? Incombe à qui maintenant? La faute incombe, je ne voudrais pas distribuer les cartes ici, mais à ceux-là qui ont mené la guerre contre l'identification. Je vous dis aujourd'hui, je suis candidat à une élection quelconque. Je me présente devant le bureau de la CENI dans un pays comme le nôtre. Un pays comme le nôtre où nous essayons de purger un peu les menaces extérieures, parce que les menaces extérieures passent chez nous par l'infiltration aussi des étrangers. On doit commencer par vous identifier. Or, si l'identification était faite en amont, ça veut dire qu'avec mon simple numéro, par exemple, la carte d'identité, on saura retrouver je suis de quelle origine, je suis de quel village, je suis de quel ceci, de quel cela, de quel cela. Alors, les choses auraient été plus faciles. Mais comme nous ne l'avons pas fait, la CENI vous demande une tonne de renseignements qu'on aurait dû demander dès l'identification. Et la CENI, le pauvre, permettez-moi de vous le dire, les pauvres maintenant, ils s'illustrent maintenant comme étant des agents
qui commence par faire l'identification avant de recueillir la candidature de la personne qui est en face d'eux. Et par rapport à ça, ça complique leur travail. Ça, c'est le un. Deuxième aspect, c'est la